Non, moi, ce que je trouve plus honteux, c'est la... ce qui s'est passé cet été à Monaco, parce que la présidence a préféré jouer le domaine de l'argent plutôt que du côté sportif. Donc forcément, après, on va tirer sur les joueurs, sur le staff, mais ça devient très compliqué de pouvoir assumer une Ligue des Champions avec le niveau que ça comporte, avec l'exigence que ça comporte, avec la moitié d'une équipe. Donc je trouve que c'est très difficile aussi et très dur pour les joueurs de leur taper dessus. Quoi. Ok, Hervé Penon. Alors je voulais pas taper que sur les joueurs, hein, loin de là, il y a aussi l'entraîneur, il y a tout, il y a aussi la direction évidemment qui a fait des drôles de choix peut-être cet été. Mais enfin, à un moment, c'était pas un groupe non plus le plus difficile de tous les groupes de Ligue des Champions. Ils étaient capables de marquer au moins un point, voire trois points, être capables de faire un résultat à domicile. À domicile, ils ont explosé lors de leurs trois matchs, ils ont pris des raclées à chaque match, ils ont quasiment rien montré du début à la fin. Il y a des équipes largement moins fortes, avec un moins bon effectif, qui ont fait meilleure impression durant cette compétition. Donc à un moment, il y a eu que ce premier match qu'on s'est dit contre Leipzig, et sinon ça a été le désastre absolu.